Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir jouer à Fortnite sur iPhone, iOS. Donc il faut savoir que Fortnite a fait une collaboration avec Nvidia GeForce Now. Donc Nvidia GeForce Now, c'est tout simplement une plateforme de streaming, on peut dire ça comme ça. Donc par exemple, vous vous connectez avec votre téléphone sur GeForce Now et vous prenez le contrôle d'un PC à distance. Donc c'est un PC vraiment full. Vous avez une bonne qualité graphisme, vous avez une bonne qualité de processeur, le jeu est très fluide. J'ai déjà même fait un tuto à propos de GeForce Now sur ma chaîne YouTube que je vous mettrai en description et en commentaire épinglé. Donc c'était un tuto pour débloquer le skin Blizzabel, si je me trompe pas, gratuitement sur téléphone Android. Donc j'avais déjà fait un tuto, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir en commentaire et en description épinglé, je mettrai la vidéo. Donc il faut savoir que Nvidia GeForce Now était uniquement disponible sur PC Windows. Si par exemple vous avez un petit PC avec des petites qualités graphiques et processeurs, ben, vous pouvez vous connecter à un PC à distance avec des meilleurs composants grâce à GeForce Now. Avec un petit PC, vous pouvez le faire avec un Mac, vous pouvez le faire avec votre téléphone Android. Donc c'est comme ça que moi j'avais fait le tuto, je vous avais expliqué comment le faire avec un Android. Vous pouvez le faire aussi avec votre TV Android, vous pouvez le faire avec une TV LG. Donc voilà, ça c'était tous les appareils disponibles pour l'application GeForce Now. Donc maintenant, ce que GeForce Now va faire en fait, c'est rajouter les téléphones iPhone, donc les téléphones iOS et tous les appareils iOS. Donc là pour l'instant c'est une bêta fermée, donc si vous voulez tester, il faudra vous inscrire sur la liste d'attente, donc inscrivez-vous directement. Bien entendu je vous partagerai le lien en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent participer à la bêta fermée. Bien entendu si vous regardez cette vidéo genre dans un mois, deux mois, donc à l'heure où vous regardez cette vidéo, peut-être que la bêta ne sera plus fermée mais que l'application GeForce Now sera disponible sur iOS, donc vous pourrez directement jouer. Il faut savoir que c'est complètement gratuit. Après, il y a un abonnement, donc là je suis dans les abonnements, il y a un abonnement payant pour le mois, c'est 10€ pour le mois, ou alors c'est 50€ pour 6 mois. Et ici, il y a un autre pour avoir une meilleure qualité, un meilleur PC avec une RTX 3080 pour 100€ pour 6 mois. Mais vous avez l'option de gratuité qui vous permet de vous connecter avec votre iOS sur Fortnite, donc avec votre iPhone sur Fortnite ou alors avec votre Android ou toute autre plateforme support que je vous ai présenté juste avant, donc tous les supports ici. Donc vous avez la possibilité de jouer gratuitement. Cependant, il faut savoir que l'option gratuite, il faut savoir que quand vous allez accéder à l'option gratuite, vous aurez peut-être une liste d'attente pour vous connecter sur un PC à distance, donc de GeForce Now, pour vous connecter à GeForce Now, parce que l'option gratuite, il y a beaucoup de personnes et en fait, ils font placer toujours les personnes qui ont un abonnement, ben, eux passent en priorité, bien entendu, donc ils passent avant les joueurs gratuits. Donc les joueurs gratuits, moi quand j'avais essayé de me connecter, c'était un moment où il y avait plein d'ennemis qui essayaient de se connecter, j'avais une liste d'attente de 200 personnes avant, donc j'ai pu jouer genre 45 minutes après, j'ai eu 45 minutes d'attente. Bien entendu, c'est uniquement pendant les moments de rush, parce que là, il y avait Blizzabel comme skin, donc tout le monde voulait le débloquer gratuitement grâce à GeForce Now. Mais normalement, la liste d'attente, quand j'avais regardé chez un YouTuber qui présentait justement GeForce Now, il avait 20, il était 20e dans la liste d'attente, il a attendu 5 minutes et après, ben, il a pu jouer. Le seul problème de cette option gratuite, c'est que vous ne pouvez jouer qu'à une durée limitée de 1 heure. Donc à chaque fois que vous avez joué 1 heure, le jeu va se couper, vous allez déconnecter de GeForce Now. Donc je pense que peut-être ils vont vous laisser finir la partie, je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais quand vous aurez terminé votre session, ce que vous devez faire, bah, c'est tout simplement vous remettre dans la file d'attente ou vous reconnecter s'il n'y a pas de file d'attente directement. Mais il faudra se reconnecter directement sur Fortnite pour rejouer une session d'une heure. Donc c'est gratuit, mais par tranche d'une heure de gameplay. Et c'est pas tout, hein, parce que
Dans GeForce Now, vous pouvez jouer à Fortnite, vous pouvez jouer à plein d'autres jeux. Il n'y a pas que Fortnite, il y a énormément de jeux. Donc vous pourrez jouer avec votre iPhone sur tous les jeux que GeForce Now vous propose. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Donc si vous voulez participer à la bêta fermée, il suffit juste de cliquer sur « Rejoindre la liste » avec votre téléphone iOS. Vous enregistrez, vous mettez vos coordonnées et ensuite ils vous contacteront s'il y a une place. Donc regardez ici, on voit plusieurs jeux. Il y a Fortnite, Crysis, Gardien de la Galaxie, Apex et il y a plein d'autres jeux. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace.